Ses adeptes l'appellent du subway surfing. Surfer sur le métro de New York. But, sauter entre les wagons et glisser ainsi entre les gratte-ciels d'une des plus grandes métropoles de la planète. Et un impératif, filmer ces très dangereuses acrobaties et les mettre en ligne sur les réseaux sociaux. Jusqu'au moment de l'erreur fatale. Il y a quelques semaines, Zachary Nazario, un adolescent de 15 ans, a mal estimé sa course. Sa tête a été fracassée par un pylône sur un pont. Il est mort sur le coup. Le soir même, ses amis lui rendent hommage et certains mettent en garde. Les jeunes voient le nombre de vues sur les réseaux, les likes, les j'aime, et c'est quasiment chimique. Ça devient très addictif, alors que c'est très dangereux. Mais les gens courent après cette espèce de gloire. Ce drame n'est pas le seul. En décembre dernier, un autre adolescent a trouvé la mort, glissant entre les wagons et heurtant les rails. D'autres sont gravement blessés. Selon les statistiques du métro new-yorkais, ces pratiques ont doublé en 4 ans et la police tire le signal d'alarme. Le métro n'est pas une cour de récréation. Le surf sur le métro est non seulement illégal, mais aussi irresponsable et très dangereux. Certains y perdent la vie. Le maire de New York, lui, pointe la responsabilité des réseaux sociaux. Certains de ces sites et réseaux sont plus addictifs que des drogues. On ne peut pas s'en détacher et c'est une course malsaine à qui ira toujours plus loin. Il faut demander des comptes aux réseaux sociaux. Je suis surpris qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. Appel entendu en partie ces derniers jours, Instagram et TikTok ont supprimé un grand nombre de ces vidéos sur leurs réseaux.